Déclaration du président du Mador. Mesdames et messieurs, je vous salue toutes et tous fraternellement et amicalement en vos rangs, grades et qualités. Merci de l'honneur que vous me faites en répondant avec promptitude à mon invitation à ce point de presse. Sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet, qui porte sur une affaire connue de tout le monde et qui convient de mettre à nous parce qu'il s'agit d'une véritable distraction. C'est la fameuse plainte de la fameuse société civile qui n'a pas trouvé mieux pour tenter de montrer qu'elle existe que de porter plainte contre le tout jeune et sémillant coordinateur général des affaires présidentielles, M. Nourridine Bongo Ondimba Valentin. En ma qualité de soldat du pouvoir et défenseur patenté du régime de son Excellence Ali Bongo Ondimba, je ne pouvais en aucun cas me taire face à ce que je considère comme une nouvelle sortie de piste. Elle est aussi incontrôlée comme les autres, c'est-à-dire cette énième provocation de l'opposition, parce que c'est bien elle qui se cache derrière la société civile. Et chaque fois, c'est la même formule qui est utilisée. On prend un sujet à partir duquel on espère soulever les populations. On le retourne dans les sens et ensuite, lorsqu'il s'aperçoit que personne ne suit ou s'intéresse, on abandonne la thématique pour amener une autre qu'on croit plus attractive. Si les gens sont attentifs, ils se rendront compte qu'il y a quelques semaines, les réseaux sociaux et d'autres plateformes de communication étaient remplis d'un seul sujet interrogatif. Pourquoi c'est Nourridine Bongo Valentin qu'on nomme au poste de coordinateur général des affaires présidentielles? Pourquoi lui? Ne nous sommes pas en train de nous orienter vers la monarchie, se demandaient certains. Les réponses techniques et juridiques ayant été fournies à ce sujet, et voilà que les tam-tams se sont tus. Maintenant, tout le monde est d'accord que M. Nourridine Bongo Valentin mérite, tout comme l'ont mérité par le passé, ceux qui avaient déjà occupé cette fonction, exercé cette fonction, occupé ce poste. Il y a plus de commentaires à ce niveau. Et comme l'opposition a très mal à chaque fois qu'elle doit être contrainte par cette stupitude au silence, la voici qu'ils reviennent cette fois-ci par un autre chemin pour parler de plainte contre Nourridine Bongo Ondimba. Plainte. Pourquoi plainte? Monsieur Nourridine Bongo Valentin a-t-il été pris en flagrant délit de je ne sais quoi? Quelle est la relation de cause en effet entre Monsieur Nourridine Bongo Valentin et la découverte d'argent dans un véhicule lors d'un contrôle qui aurait été fait à Rio par je ne sais qui? À ce qu'il semble, les personnes à bord du véhicule interpellé auraient affirmé que le contenu querellé du véhicule était la propriété de M. Nourridine Bongo Valentin. N'étant personnellement pas spécialiste de ces problématiques, le bon sens me commande cependant à me poser plusieurs questions. Mieux, je ne suis pas le seul à me les poser parce que lorsqu'il n'arrive pas à comprendre pourquoi le coordinateur général des affaires présidentielles est mis en cause dans une affaire où personne ne peut prouver ce que les uns et les autres déclarent n'avoir appris que par voie des réseaux sociaux. Pour des gens qui disent avoir des projets pour le Gabon, pour des gens qui se disent intellectuels et compétents, des gens qui se disent se battre pour la démocratie, peuvent-ils prouver qu'ils ont le droit d'ainsi jeter en pâture honneur et la considération d'une personne qui fait pour tout et dérange personne? N'est-ce pas la preuve qu'ils agissent par aigreur, jalousie et méchanceté? Je suis convaincu d'une chose, c'est que les avocats de M. Nourridine Bongo Ondimba n'auront pas trop de travail à faire pour établir l'innocence de leurs clients. Ils optent d'ester en justice et obtenir des détracteurs insolennels, mais culpables, où l'infraction, dénonciation calomnieuse est établie et entièrement consommée.
Oui, la démarche de la société civile résulte sans doute du droit d'exercice par réel de son libre arbitre. Cependant, l'exercice du dit droit ne doit en aucun cas faire grief aux droits des autres. Monsieur Nourdine Bongo-Valentin, qui est un haut commis de l'État, de par ses fonctions actuelles, a le droit de se revendiquer le respect de sa personne, de son honneur. Il a le droit d'exiger des tiers le respect scrupuleux de la considération de sa personne. Que je sache, même au pénal, l'aveu n'a jamais constitué une preuve en droit. Ce n'est pas parce que le nom de M. Nourdine Bongo-Valentin aurait été cité par des personnes manifestes en difficulté que leurs paroles seraient devenues des paroles d'évangile. Si j'avais quelque chose à dire à monsieur le coordinateur des affaires présidentielles, c'est lui demander de bien vouloir se mettre au-dessus de toutes ces fabulations et de ces montages dont le seul but est, de le salir tout en salissant au passage l'image de notre pays. Le vieux dicton le rappelait, si bien on ne jette pas des fleurs à un arbre qui produit des bons fruits. Je salue par ailleurs le fait pour le président de la République d'avoir choisi ce jeune compatriote pour occuper cette fonction. Le coordinateur général des affaires présidentielles peut compter sur le Mador ainsi que sur les jeunes pour le soutenir, l'accompagner, l'aider dans l'exercice de son exactant magistère. Le Mador l'a déjà et toujours fait par le passé avec tous ceux qui lui sont présentés comme des proches collaborateurs de M. le Président de la République. Le Mador, qui apprécie à sa juste valeur la vision qu'a le Président de la République pour développer le Gabon, l'invite solennellement aujourd'hui à se porter candidat à sa propre succession à la prochaine élection présidentielle. 2016 appartient déjà à un lointain passé. Ceux qui continuent à s'en préoccuper restent sur leur position. Le Mador regarde fidèlement, loyalement, en avant avec son champion de toujours, M. Ali Bongo Ondimba. Je vous remercie.